Chers amis du Forum Foyer de Renaissance, Unité, Mobilisation et Haïti Vivra, nous comptons pour nous retrouver encore pour un moment de méditation sur Haïti à la lumière de la parole de Dieu. Je vous dirais, nous allons regarder dans Matthieu chapitre 23, verset 30. 7 à 39. Matthieu 23, verset 37 à 39. Il dit, Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes et qui lapides ceux qui te sont envoyés, combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous n'avez pas voulu. Voici, votre maison vous sera laissée déserte, car je vous ai dit, vous ne me verrez plus désormais, jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Car je vous le dis, vous ne me verrez plus désormais, jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Comment ça veut dire? Yon Emmanuel, Dieu avec nous, à travers les rues de Jérusalem, qui a gémi sous l'occupation romaine, a payé tribut à César. Qui gagne capital, ce n'est pas Jérusalem encore, mais c'est Rome. Qui perdu toute identité, prestige et dignité en tant que peuple. Qui, pendant les classes citoyens juifs et hébreux, mais en même temps, l'a cherché pour voir s'il était capable de gagner une double citoyenneté, la caille romaine, parce que. C'est ça qui moune, le Romain. Mais aux Juifs, ça va dire grand chose. Et puis, vous avez un bon monde. Mais aux Juifs, qui parlait hébreu, qui parlait araméen, même gens avec nous, qui nous-mêmes, nous connaissons maman, et pour nous-mêmes, nous ne pas connaître l'affaire, c'est pas Joseph qui parle là, nous comprenons, nous dit, c'est le fils de Joseph. Est-ce que nous, c'est pas maman de Marie? Est-ce que frère Léo, c'est on a parmi nous. Donc ça veut dire nous, on juif lié. Et puis, nous, ça paraît avec une puissance. Il paraît avec une autorité. Il paraît avec un bagage. Nous parlons, moi. Un monde qui a brillé comme ça. Il y a un monde qui a une qualité visage, ça ne l'a pas son côté. Un étranger qui est puissant, il a passé son passant. Mais visage si attrayant. Parce que si compatissant, on voit une personne que rencontrer pour le battre et pour l'offrir. Parce que tout n'est pas gémi dans la misère. Si c'est pas dans telle cellule côté, dans la caisse Satan. Ou t'es dans l'autre cellule. Mais tout le monde est en prison, les Jésus paraît. Pas rien, personne qui est capable de dire moi-même, pas besoin d'être hypoté. Donc, depuis que je suis sorti, ben, toute journée, toute la rue, c'est soulager le monde. C'est bien la fête. C'est manger la baie, le monde. Et nourriture matérielle, et nourriture spirituelle. C'est guérison la baie. Et comme le monde qui boit, tout le monde qui a l'air, même, la guérie. Et l'autre monde, tout qui. Spirituellement, tu es handicapé, tu n'as pas rien pour faire pour vivre en paix avec eux-mêmes, avec Dieu, avec leur prochain. Tout ça, tu es un remède pour tout le monde. Tu réponds à la question philosophique, tu réponds à la question comme religieux, qui peut embarrasser, tu as envie de bon Dieu, descendre, venir dire, on sait que tu vas comprendre. Ben, Emmanuel, Dieu avec nous. Donc, Jésus, porté pour l'humanité, pour l'homme juif,
pour Jérusalem, tout ça, on a été manqué pour être capable de heureux. Et puis, voilà que nous jouons avec lui, nous songeons pareil en méditation, côté Jésus dit, nous avons un bon petit monde qui est dans la place publique. Ils sont venus, ils chantent, ils chantent gay, nous pas danser. Ils sont venus, ils chantent, chantent, chantent tristes, bagaille, qui vous a fait nous lamenter, qui vous a fait nous pleurer, hein, nous pas nous indifférents. Bon, ça pour faire pour nous. Et ça pour faire pour nous. Nous par contre ça pour côté vous avoir offert. Là je dis Jésus garde le tout ça était bail. Personne pas occupé lui. Il est venu chez les saints de leur point reçu. Alors il dit, je m'en vais. Vous ne me verrez plus désormais, jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Plébiscite de Rameau. Boum, tout est, oh, 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 béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Ça va durer, puisque deux, trois jours après, nous entendons bien le livre, pour être capable de crucifier lui en place Barabbas. Vous songez? Ça va durer. Alors il y allait, et il dit dans le jour du jugement, mais sauf dans avec vos morts, va traiter plus rigoureux, moins rigoureusement que Jérusalem. Que Jérusalem, génération ça a vivre à Jérusalem dans le temps que le délai. Parce qu'il dit, il offrit toute bagaille. Il ne va recevoir rien. Chers amis haïtiens, je viens devant nous aujourd'hui pour nous dire que bon Dieu, dans sa sollicitante et paternelle sollicitude, offrit-nous toute qualité de bagaille nous, à nous, hommes haïtiens, nous mépriser. Les nations accourent vers Haïti, nos jeunes monde, même les gros problèmes pour ta pensée, pour ta venir. On peut un pays lock, où elle est qui travaille pour faire si le pays est capable de lock sur eux, en dedans Haïti, mais c'est pas dehors. Et plutôt c'est là-bas, là, point eux. La pandémie, Covid-19 là, le patron qui est en train de sortir pour Haïti. Malgré tout, nous avons dit, monsieur, ça va balayer Haïti. Mais, bon, ban étranger, ils ont caché là. Ils voyaient l'avion, ils cherchaient, ils vont aller. Son pays qui est douce. Son pays qui offre un pile bagaille. Mais c'est l'homme étranger qui jouit. C'est l'homme étranger qui sent à l'aise. Ils ont comme de loi, ils ont dit, ils ont magistrat même. Ils ont un monde qui était. La magistrature, lui dit carrément, Haïti est un pays où l'haïtien est étranger et l'étranger chez lui. L'haïtien est senti que n'est pas là qu'à lui, son étranger que lui, et mon nom qui n'est pas haïtien, qui est étranger, il est senti de la qu'à lui. C'est vrai. Parce que le gazon est toujours pivette devant les camarades. Hein? Donc pendant que nous n'avons pas rien, nous-mêmes, c'est toujours paradis terrestre. C'est là pour nous aller étudier, c'est là pour nous aller vivre, c'est là pour nous aller mourir, c'est là pour nous aller enterrer. Et nous-mêmes, nous pas souhaité nous gagner. Étranger qui est enterré là dans la cour côté de ta exercice ministère. Je sentis tellement le pays ça te fait bien. Te fait bien non mieux que pas quitter. Je nous ai commencé à apprécier les dons de Dieu à cette nation. Toute histoire ici a qui dans son histoire fleurie, qui a son histoire merveilleuse. Et puis nous commençons à apprécier le fait que le statut haïtien que nous avons. Là nous commençons là. Et puis à partir de moment ça, nous nous disons, mais moi, si m'apprécier le fait que haïtien est même obligé à apprécier tout le pays qui était bonne naissance, qui était d'accord, qui était grandi là-dedans, et qui, côté mien, je dis à mon moyen, c'est parce que mon Haïti, c'est parce que haïtien.
Je nous commençais à réfléchir comme ça, et puis nous allons découvrir qu'il y a tout le bagage préparé pour nous déjà. C'est un petit paradis, Haïti. Donc, pas quand il y a nous comptons vivre bien. Pour qu'il y ait nous, bon, par contre, c'est gratuit, c'est avant des besoins de gagner pour dire que, ou développer. Je pense que tout ça, nous avons capable d'avoir besoin sur le plan infrastructure, sur le plan éducatif, bon côté, pour mon petit monde avancé à l'école, à l'étudier. Tout ça, nous sommes capables de besoin pour nourrir le peuple. Ça. Nous avons gagné et nous avons dit, c'est gagné, nous gagnons pour nous. Ouais. Nous avons gagné pour nous partager la liberté avec le peuple. Nous avons gagné pour nous partager la nourriture avec le peuple parce que nous avons des colonies les plus riches de l'Europe. Mais je dis, bon Dieu, pas repentir de ça. Moi, je dis que temps arrivé encore un peu de temps, nous allons encore Haïti à refleurir. Haïti va renaître de ses cendres. Haïti va paraître encore pour tout le monde qui a regardé pour content. Ouais. Parce qu'il y a plusieurs lèvres qu'on y a là qui postent ou positionnent pour être capable de faire un miracle sans fête. Pour la donne, Haïti vivra. Merci.